D'émotions fortes à la 7e partie des grandes frayeurs du monde, les affreux chats-huants contre les vampires, et je suis votre arbitre, le squelette. Les chats-huants vont-ils pouvoir continuer la course en tête? C'est la grande question d'aujourd'hui. Minute, on dirait qu'il va y avoir un petit changement là. Les vampires sont passés à la contre-attaque, et pendant ce temps-là, jetons un autre coup d'œil à la défense. Il y a de la boue en premier, des boyaux en deuxième et la terrifiante histoire de ce soir en troisième. Il s'agit en l'occurrence d'une jeune femme qui aime les diamants plus qu'elle-même et qui n'hésite pas à prendre certains risques pour s'en offrir. Et cela s'appelle « Jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Et c'est brillant. Descendez. Je vous en prie, ne me tuez pas. Attention de ne pas vous tordre les chevilles, madame. Je vous en prie. Son troisième panier. Allez donc, ce nouveau type, hein, il est plus fort que je croyais. Il tire aussi bien de près que de loin. Il est du New Jersey, Westfield, je crois. D'origine italienne. Et ça passe aussi à la télé. Sans embouteillage, on a peut-être une chance de voir la fin du match. Bah, j'espère. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider? Madame, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, il ne vous mordra pas, ma jolie. Vous attendez quoi? Venez lui prendre les jambes. Un petit effort, madame. Ne m'obligez pas à faire ça. Ah, il est lourd, ce fumier. Doucement, doucement là. Là, c'est bon. Ça ira. Vous allez l'enterrer? Oh mon Dieu. Oh non, mais regarde-moi ça. Le coffre de la voiture est tout dégueulasse. Franck, je t'avais dit de l'envelopper correctement. C'est toi qui laveras le coffre, hein, cette fois-ci. J'en ai marre de les nettoyer derrière toi. Y a pas que le cadavre qui sent mauvais. Toi aussi, tu putes partout. Oh, excusez-moi. J'espère qu'elle coupe bien cette hache.
Si mon kiné savait que je fais des trucs aussi dangereux, il serait pas content. Et puis il aurait raison. Falco a aussitôt deux joueurs adverses. Allons-y. Là. Il dribble. Reviens au centre. Cherche un partenaire. Mais Lombert. Ah, ce qu'il est dur à découper, celui-là. Votre tenue, je vous en prie. Non. Vous le savez, Madame Brady est inflexible. Elle a dit d'attendre que Tony ait fini. Elle veut que vous assistiez à tout. Un mouchoir. Deux points supplémentaires pour l'équipe de Dallas qui mène maintenant 14 à 12. Ça va aller mieux. Par ici, je vous en prie. À vous les studios. Me tuez pas, je vous en prie. Je vous en prie, épargnez-moi. Dites-lui de ne pas me tuer. Quoi? Il m'avait dit qu'il m'aimait. Mais je n'en doute pas, madame. Oh, ce sont des vrais? Oh, ma femme adore les diamants. C'est un cadeau de lui? Vous voulez bien la retirer, madame? S'il vous plaît. Cigarette, madame. Madame Brady, est-ce que vous désirez autre chose? Rien que vous puissiez me donner, mon petit. Johnny, est-ce que tu désires autre chose? Non, merci, mon amour. Tu sais que t'es très jolie, toi. Lucille est très jolie. C'est pas ton avis, Johnny? C'est celui de la clientèle. Elle fait du bon boulot pour nous. Réponds-moi. Est-ce que tu trouves que Lucille est jolie? Tu es la seule que je regarde. Embrasse-moi. Doigt de l'air. Ah, tu me manquais, je vous étais prêt à lancer un avis de recherche. On double la mise. Si tu veux. Et... Brelan de 6. Ah. Carré de 6. Ma poupée. Mais fais-le voir, parce que moi, j'ai même pas le brelan d'as. Tu me bluffes, ma poule. Santé. Excuse-moi, j'ai un coup de fil à passer. Un problème avec Madame Brady? Non, aucun. Elle est saoule. Elle n'est pas saoule, elle est dangereuse. Tu n'as pas intérêt à te retrouver sur sa liste noire. Demande donc à son mari. Il est mort, son mari. Oui, c'est pour ça. Vous cherchez quelque chose? Vous m'avez fait peur, monsieur Canapara. Je l'adore, cette montre. Oh, ce qu'elle est belle. C'est surtout toi qui es belle. C'est ce que me disent les clients. Ah, on s'en fout des clients. Je t'aime, mon petit, tu le sais bien. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Oh, Johnny, je t'aime tellement. Je ne supporte pas de la voir te toucher sans arrêt. Elle garde tout dans le coffre. Elle a promis de me donner le numéro. Ça ne devrait pas tarder.
Elle dit qu'elle me fait confiance. Et puis après, on partira toi et moi sur une île déserte. Tout ce que je veux, c'est toi. Oh, mon dos. J'ai cassé, là. Ah, les animaux ont bouffé la moitié du vernis que j'ai enterré. Comme ça, ça va éviter à creuser trop profond. La jupe, c'est quelle taille ? 40, je fais du 40. Ma femme, après 3 enfants, ça y a longtemps qu'elle ne fait plus du 40, mais... Ah oui, pour ma fille. Et oui, elle va rentrer au lycée, il suffira de la raccourcir un petit peu. Vous voulez bien la retirer, madame ? Pour éviter de la salir. La retirer ici ? Merci. Ah, c'est de la soie. Le chemisier aussi. J'ai envie de toi. Il n'y a pas de risque, t'es sûr. On s'en fiche. Mon Dieu, Johnny, qu'est-ce qu'on va faire? Attends qu'on soit tranquille pour discuter, tu veux, Poulard? Johnny? Johnny, mon chéri, tu es là? Ah, Johnny. Tu les as trouvés où, ces deux faces d'andouille? Ils ont pas inventé l'eau chaude. Hey, je prends des cours du soir, moi. Tu te prends pour qui, Grotta? Je te conseille d'éviter ce genre de réflexion, ou sinon, moi, je vais t'en mettre une. Non, mais arrête, tu me fais peur. T'es en sueur? Oui, je crois que j'ai un peu de fièvre. Oh, mon petit chéri. Tu veux continuer à jouer à la mère boule, ou on passe aux choses sérieuses? Ouais, allez. Assieds-toi. Donne-lui une chaise. Pose tes fesses. Ces diamants, c'est du premier choix. Ouais, ouais. Peut-être même mieux que ça, de la qualité supérieure. C'est ce qu'on va voir, Willard. Hé, ton mari m'a servi de receleur pendant ces 10 dernières années, et entre nous, il n'y a jamais eu un seul problème. Il savait se conduire en gentleman, espèce de vieille chouette. Tu m'as dit que t'étais pressé, mon gros, non? Je t'ai fait confiance quand j'ai pris ces diamants. Et regarde, on trouve mieux que ça dans des pochettes surprises. Tu peux pas savoir ce que je suis déçue, Willard. Dire que t'as profité de mes si bonnes dispositions. Est-ce que c'est la ménopause ou quoi? Jamais parlé d'affaires avec une femme. C'est incroyable. Elles savent même pas de quoi elles parlent. Tout juste bonne à faire la cuisine. C'est à cause des bonnes femmes comme toi qu'il n'y a plus moyen de faire des affaires sérieuses. Ton mari, on... Ça t'apprendra à parler correctement à une dame. Qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Chérie, tu nous espionnais pour avoir la combinaison du coffre, c'est ça? Tu veux voler le fric de ma chérie? C'est ce que non, tu sais faire, hein? Non, espèce d'ordure! Tu vas la fermer! Arrête de faire ton numéro, tu veux être Jenny? Cette foutue poufiasse est en soutien-gorge et en petite culotte! Je la trouve à moitié à poil dans mon bureau et tu veux me faire croire que tu sais pas ce qu'elle fait là? C'est la vérité, ma chérie, je te jure devant Dieu! Quel imbécile tu es! Tu comprendras rien! Tu comprendras jamais rien! Combien de temps est-ce que ça va encore durer? De combien de greluches je vais devoir me débarrasser avant que tu arrêtes enfin de me tromper? Plus jamais, je te jure. Embrasse-moi! Je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardon. Pardonne-moi. La ferme! Pardon. Espèce d'ordure! Oh, mais l'ombre. Tony, notre invité est en train de prendre froid. Tu veux bien te dépêcher?
Johnny. Johnny, mon chéri. Je serais tellement plus heureuse pour nous deux. Si tu le faisais toi-même. Bien, ça me puce. Hey Johnny, ça va toi? Ça va? Johnny? Elle veut que ce soit moi. Johnny. Tourne-toi. Johnny. Tourne-toi. Tu m'avais dit que tu m'aimais. Tourne-toi, Lucie. Allez. Ça va, mon amour. Oh, mon amour. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je t'aime tellement. C'était le seul moyen, mon amour, pardonne-moi. On ne risque plus rien maintenant. Tu n'as rien, c'est sûr. Personne ne te fera du mal, je te le promets. Personne ne te fera de mal, mon amour. Tu m'aimes. C'est vrai que tu m'aimes. Oh, plus que tout au monde. Écoute, on va partir tous les deux et on ne reviendra plus jamais. On se l'achètera à notre île et on fondera une famille, on restera toute notre vie ensemble. Tu veux? Je t'aime. Il reste une seule personne sur notre route. Oui. Oui, merci. Personne ne sait où ils sont. Va ouvrir. Aucune chance, Ruth.
bouger vos énormes fesses. Vous avez cherché à profiter de mes si bonnes dispositions en route. Le numéro? Jamais. Johnny, je t'en prie. Johnny, je t'ai absolument tout donné. Arrête un peu ton cire. Je devrais recouvrir ta face de radeau juste de miel et te donner à bouffer aux fourmis. C'est quoi le numéro, Ruth? Dépêche, Ruth, c'est quoi le numéro? 21. Uh-huh. 34. 17. Et 42. 21. 42. Wow! On a touché le gros lot. C'est bien ce que vous faites, madame. Et maintenant, si vous enleviez ce vison, ce serait dommage qu'il soit couvert de sang. Oh, ce que c'est doux. C'est les vrais? Oui. Mon homme, oui. J'adore les diamants. Prenez-les. Les chaussures, quelle taille? Allez-y, prenez-les. Allez-vous-en, je vous en prie, partez. Il y a encore une chose à prendre. Johnny, je serais tellement plus heureuse pour nous si tu le faisais toi-même. Bien sûr, je vais le faire. Tourne-toi. Johnny, je t'en supplie. Tourne-toi. Johnny. Tourne-toi. Tourne-toi. Faites beau rêve, mon amour. Voilà une bonne chose de faite. Ma chérie, le vison te va bien. Mets ça dans un sac et on se tire. Tout de suite. Et voilà! On est enfin riche! On va enfin pouvoir être heureux! La comédie est terminée. Tu croyais que je pouvais aimer un gigolo comme toi? Il n'y a que ça qui m'intéresse. Non, ne fais pas ça. Tout ce que je voulais, c'était le fric. Fais de beaux rêves, mon amour. Donc, le match doit pas être fini. Alors poussez-vous, les gars. Que je travaille en paix. Il ne devrait pas être long à être découpé. Allez, un peu de chance, on verra la fin du match à la télé. Et ton dos, ça va? C'est la forme. Johnny! Mon loulou! Tout de suite, Pupus. Cette Lucie, quel numéro! Elle croyait vraiment qu'elle arriverait à rouler tout le monde. Eh bien, les amis, chacun son sport. Moi, je suis trop petit pour jouer au basket. De d'un côté et de l'autre. Il faut absolument que je marque. Cette fois-ci. Attention! Attention! Vous avez vu ça? Deux têtes d'un seul coup. Et encore je suis fatigué.